Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce samedi 11 mai, à Malmö en Suède, Slimane se prépare à concourir pour l'Eurovision 2024 avec sa chanson « Mon amour ». Alors que les pronostics du bookmaker penchent en faveur de la Croatie, de la Suisse et d'Israël, Slimane a déjà séduit de nombreux téléspectateurs. Pourrait-il bénéficier du soutien de Marie Myriam, la dernière Française à avoir remporté le concours en 1977? Invitée de Télématin ce matin même, Marie Myriam a exprimé son soutien à Slimane. Elle estime que celui-ci pourrait bien créer la surprise. « Ça fait 47 ans que je soutiens pratiquement tous les candidats et je souhaite à Slimane de soutenir pendant 47 ans tous les autres candidats. Ça veut dire que c'est lui qui va l'emporter ce soir », a-t-elle déclaré. Pour Marie Myriam, Slimane possède tous les atouts nécessaires pour briller dans le concours. Il a une belle chanson, il a une belle voix, a-t-elle souligné. Elle a également relevé un point clé dans la performance de Slimane, sa partie a cappella, un choix qui pourrait faire la différence et toucher l'émotion du jury et du public. En 1977, Marie Myriam avait remporté l'Eurovision avec sa chanson « Oiseau et l'enfant », marquant ainsi la 5e victoire française dans le concours. Aujourd'hui, elle espère que Slimane pourra suivre ses traces et offrir à la France une 6e victoire.